Ariane ? Oui. Ensuite, celui-là, 11 521. Oui, bonjour, Air Glacier. On a deux hélicos qui vont arriver, un avec un bras cassé, celui-là il va vite faire, et puis l'autre avec... qu'est-ce qu'il a déjà l'autre ? Une épaule, voilà. Un enfant, on peut poser. Tout ça, toi. Bien. Oui, oui. Ah, c'est qui qui arrive. À la limite, c'est... C'est toi, c'est Bertrand. Tu prends la main. Ouais, ouais, c'est une épaule. Il y a qui vient. Ok, en plus. C'est qui le pilote, t'as pas entendu? Le drame de Zinal est encore dans toutes les mémoires. Deux d'entre eux y ont laissé leur vie. Mais toutes ces équipes de sauvetage le savent bien, là où on a besoin d'eux. Ça va, t'es calme ? Oui. T'es bien ? T'es souriant ? Oui, yeah. Comme d'habitude, ni plus ni moins. Du télé, on n'a rien là. On a rien ici, non. Bon, alors on va aller comme ça. Et on va aller voir. Voilà, droit devant. T'as en vue ? Oui, merci. Okay. C'est bon, tu peux poser. C'est tout bon. Bonjour. C'est lui, elle. Oui. Bonjour. Romain. Romain, ça va?
T'as très mal? Beaucoup, beaucoup. Hein? Où? À la jambe? T'étais comment, à ski, au snowboard? T'es tombé où? Juste ici? Un peu plus haut. Mais on va l'amener à l'hôpital, là, sûr. Ouais, ça vous va? D'accord. Bon, on t'amène à l'écho, puis je regarderai là-bas. C'est bon, t'as mal où? Ici? Juste par là. D'accord. Si je fais ça, ça fait mal? Bon, on va le porter. Attends, t'enlèves ça un petit coup. T'es pas trop lourd. Moi, je m'occupe de la jambe. Deux en haut. Relax, tu vois. Problème, on va te soulever tous en même temps. Il va pas être... Moi, je m'occupe que de ta jambe, hein. Ouais, je peux prendre l'autre aussi. Tu dis qu'un? Moi, je suis prêt, vous êtes prêts? Oui. Un, deux et trois. Hey, tu respires. Voilà, respire bien, Romain. Oui. Magnifique. Alors, tu vas aller sauver les gens, m'a dit ta maman. Quand tu seras grand. Mais les meilleurs, c'est ceux qui ont eu un accident d'abord. Tu commences juste, hein? Alors, tu regardes tout ce qu'on fait, puis tu nous dis ce qu'on fait mal. Promis, tu me dis en bas. Ça va, t'as froid? Un petit peu. Alors quand tu iras sauver des gens, que tu seras grand, tu penseras... Première chose que tu penses, c'est qu'ils n'aient pas froid. Je vais devenir comme lui. Hein? T'es sûr? Plus beau, meilleur. T'es sûr que tu vas devenir comme lui? Écoute-le pas, hein. Lui, il dit que des bêtises. Allons au chaud. Ouais, laisse-le porter plutôt. Vas-y. Ouais. Merci de ton aide précieuse. Je vois que tu veux tout faire. Tu me lances de tels compliments. Ah. Voilà, Romain. Qu'est-ce que j'annonce, Jacques? 12 ans, jambes cassées. Tu m'entends? Oui. On va descendre vite. Alors, si t'as mal aux oreilles, tu te passes le nez, puis tu souffles. Hein. T'attends pas, d'accord? Parce qu'on descend assez fort. Hein. Je te mets au chaud. On a très peu de suivi. J'ai vu tout à l'heure en bas, on a un classeur, lettre de remerciement. Il est tout petit comme ça, et puis sous les interventions, ils sont grands comme ça. Alors, c'est vrai que c'est rare, mais quand ça vient, c'est extrêmement gratifiant. Mais on ne fait pas ce boulot pour être remercié, disons. Moi, je crois vraiment que le sauveteur, là, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, le sauveteur, il est relativement égoïste. Hein. C'est un métier qu'on fait parce qu'on aime faire ça. Comme l'humanitaire, moi je crois pas beaucoup à la générosité, au don de soi. C'est clair qu'on en a un peu. Mais le primum movens, il vient quand même du fond de la personne. Et si on va faire un beau sauvetage, c'est pas les remerciements du sauvé qui vont forcément nous pousser à continuer. C'est le fait d'avoir réalisé quelque chose de constructif, de positif, et qui en plus fait du bien aux autres. C'est un plus, je dirais. Garde les rapports des médecins. Comme je suis un petit dictateur, tout vient chez moi. Et bien après, je dispatche. Et puis toi, de l'autre côté, ce bureau, c'était au fond le seul truc que je voulais à tout prix. Ça me permet au fond de localiser tout le monde, de voir tout le monde arriver, même si je les ai pas à l'écoute. Je vois ce qui se passe, je vois qu'on sort, je vois les avions qui partent, je vois ceux qui posent. Et au fond, c'est pratiquement une petite tour interne et air glacier. Et j'exige, c'est un ordre, que si j'ai quitté le bureau, je sache si tout le monde est rentré. Ma première question en partant, j'ai dit, est-ce que tout le monde est rentré? Et qui c'est qui manque? Il nous laisse voler, comme on veut. Il nous fait jamais une remarque sur notre manière de voler. Mais d'un autre côté, on sait qu'il est très présent. Qui sait où on va, où on est, quel type de mission on fait, où on en est dans notre progression. Et on se sent quand même suivi, hein. Il n'est pas absent. Il est omniprésent, mais tout en nous laissant un maximum de liberté.
le patron, c'est la vieille école, c'est les pionniers, tu vois. Les types qui sont en même temps exigeants, puis en même temps, ils ne cassent pas les pieds. Et puis l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un pilote dans le bureau. On n'a pas un administrateur, parce que ça change totalement les données du problème. Lui, il sait parce qu'il y a été. Allô? Ouais, campé. Ah bon, c'est pas pour nous alors? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un treuillage. Où? Je sais pas. Tour de Sion, hélicoptère, novembre Zulu, on descend du monde pour atterrissage hôpital de Sion. Novembre Zulu, bien reçu pour l'hôpital, je vous signale 3 trafic. Retour au bercail pour Jacques et Bertrand, la routine. Mais d'autres équipes sont engagées simultanément sur plusieurs fronts. Les deux Pascal sont de leur côté à pied d'œuvre pour tenter de récupérer un skieur qui faisait lui hors piste et qui se retrouve bloqué dans une paroi. Cette fois-ci, l'intervention sera techniquement nettement plus engagée. Et vous, il est derrière, là, le Montfort en fait. Et puis il descend dans les rochers, il a chuté dans les skis. Maintenant, il chaque fois un pied en fait, dans les rochers comme ça. Ouais. J'essaie de venir à 30 mètres, mais il n'arrive pas à regarder les moments stationnaires. J'ai pris une corde de 120 mètres. Puis j'ai pris le marais aussi, je me suis dit si jamais, pour le retirer en haut. Je pense que juste avec la corde, ça suffit. Okay. Parce qu'on peut se faire poser en haut. Peut-être les crampons. Ouais. C'est juste à l'ancrage. Moi, je saute en ce moment, on descend en rappel et puis on prépare et puis fini. Il peut nous poser où, Il peut nous poser, je dirais, 60 mètres au-dessus, 50, 60 mètres au-dessus. Mais j'avais pas trop la notion des distances, alors c'est pour ça que je t'ai demandé de prendre 100 mètres de corde. T'as combien de pieux?
Non. Tiens, là, j'ai deux sangles. T'as deux sangles, c'est bon. Une pour moi. Bon. Moi, je suis assuré, hein. Tu veux descendre, toi, bien? Tu me fais descendre. Moi, je me croche au bout de corde. Tu me moulines en bas. Le mieux, peut-être. Je descends. Et puis, toi, tu m'assures. Et puis, viens, il m'évacue tout de suite. Oui, alors, ça. Le bout de la corde. C'est bon? C'est bon pour moi. Il est droit dessous, là, ou bien? Moi, je suis à la droite, là-bas. Tu suis les traces de ski, là-bas, hein? Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon là, l'axe. Stop Pascal. Passe ça entre tes jambes là. Voilà. Ça va? Ça va, une autre sangle de l'autre côté. Ça va? Ça va, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es pas blessé? T'as quelque chose dans quelque part? J'ai rien, mais je suis trop niveau au fond. Ah hein? Joue au con. Non, y a pas de problème, c'est rien du tout. Je vais prendre ce risque. Comment tu t'appelles? Vincent. Vincent. Merci beaucoup. Ouais, là, t'es un peu limite, hein. J'espère qu'il y en a pas qui vous font ces coups-là tous les jours. Ça arrive souvent qu'il y en ait des comme moi. Avec... Ouais, alors attends. Philippe de Pascal. Tu peux venir là-dessous, tu me tires un petit peu, après je te me désassurer de la corde à Pascal Gaspo. Et puis dès que c'est bon, je te dis pour dégager, c'est bon pour toi? Ça pouvait passer, puis en plus avec la lumière, j'ai cru que c'était moins haut. Bonjour. Merci beaucoup. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Mais t'as fait une chute ou bien? Non, j'ai pas fait de chute. T'as pas fait de chute? Non, j'ai essayé. Un dérapage comme ça et puis... Oui, en premier, je suis descendu, puis après, j'ai pensé passer là parce que depuis en haut, ça trompait. Je pensais pas que c'était si haut.
Et après, je me suis retrouvé, je ne pouvais plus descendre avec les skis. J'ai lancé les skis, puis quand j'ai vu le temps que le ski il volait pour descendre en bas, je me suis dit là, je ne peux pas. Ouais. Dans les rochers. C'était où hein. Ouais. Enfin, là, en fait, je m'en veux parce que d'avoir fait prendre des risques au secours, ça. Enfin. Ouais, c'est... Je m'en veux, quoi, parce que je me rends compte que. Que j'ai fait prendre des risques à des gens qui étaient peut-être moyens là-dedans, quoi. Et que j'ai été trop loin, quoi, j'ai dépassé mes limites. Mais pourquoi je vais aller trop loin Les gens s'emmerdent. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher des émotions, ils vont chercher l'aventure. Bon, à l'époque, dans l'histoire, on avait des conquêtes à faire, il y avait le Far West, il y avait les cabanes à monter, il y avait les barrages à monter. Maintenant, on a tout fait. Alors, moi, je blâme pas les gens pour avoir envie de vivre et vivre intensément. Tous ces gens qu'on traite d'inconscients, c'est pas des inconscients, c'est des ignorants. C'est une grosse différence, je crois. Les gens qui vont se faire prendre le jeune surfeur type qui va se faire prendre une avalanche, il va pas se faire prendre parce qu'il veut se faire prendre. Hein. Il va pas tenter d'être, c'est qu'il sait, la plupart du temps, il sait pas. C'est clair qu'on lui dit souvent, va pas, mais vous connaissez les jeunes. Hein. Moi, je crois que c'est plutôt un manque, même pas d'information, un manque de culture face à la montagne. De l'autre côté, si ces sports qui sont extrêmes, si on veut, ont pris tellement d'ampleur, c'est parce que nos jeunes, ils se sentent tellement écrasés par une administration qui leur permet plus d'être ni à gauche, ni à droite, ni etc. Ça, vulgairement, tu peux pisser sur un coin, hein, tu te fais demander. C'est vrai qu'on arrive à ce stade-là. Non, moi, je crois que la montagne est surtout un attrait de liberté. Et je pense que la liberté actuellement n'a pas de prix, mais elle est difficile à gérer aussi. Je pense que beaucoup de gens ont cette notion ancrée en eux que s'il y a accident, il y a sauvetage. Hein? Donc ça fait partie du processus de la montagne actuelle maintenant. Mais l'effet plutôt pervers de ça, c'est que les gens vont plus loin. Ils disent, moi, je peux aller dans peut-être du trop difficile pour moi, on vient me chercher, de toute façon. On sent que les gens sont habitués à cette consommation immédiate. Et ça, c'est une spirale. Nous, on offre plus, donc les gens consomment plus. Et si on veut essayer de gérer ça mieux, on doit faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas être toujours là pour eux. Hein, que ce n'est pas parce qu'ils sont dans la merde quelque part qu'il y aura un sauvetage. Que des fois, on devra dire non. Hein, parce que les conditions sont trop difficiles, parce qu'il y a des impossibilités, parce qu'il n'y a pas assez de machines, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et si on veut essayer de modifier un peu l'esprit des gens, c'est à nous de freiner. À sa fin, une journée comme une autre, ou presque. On décompresse, on plaisante, on fait le compte de ses interventions. Moi, ça va mal au cul. 5. Tant combien? Maintenant, on ne tombe pas. 8. 8. Oui, 8 à 9e. Ouais, c'est pas mal. 9e? Quand on aime, on ne compte pas. Tout le monde connaît la formule. D'autant plus que les équipages ne sont pas forcément au bout de leur peine. Sans oublier les mécanos, travailleurs de l'ombre, qui permettent à ces machines d'être disponibles 24 heures sur 24. Bon, ça sera peut-être le dernier. Tu as du guide? Qu'est-ce que c'est, avec le plaisir? Bon, alors, tu es au bureau pour la fin.
Ce jour-là, les hélicoptères de la maison du sauvetage ont effectué 27 sorties.